Aujourd'hui, Kate Middleton est duchesse de Cambridge. Quant à Camilla Parker Bowles, celle qui partage la vie du prince Charles et duchesse de Cornouaille. Deux titres obtenus par les deux femmes après leurs unions avec le prince William pour Kate Middleton et avec le prince Charles pour Camilla Parker Bowles. Mais pour ces membres de la famille royale, leurs titres pourraient évoluer dans le futur. Et Kate Middleton pourrait bien se voir accorder un titre que Camilla Parker Bowles n'a jamais voulu utiliser, comme écrit l'Express dans un article. Explication. En 2005, plusieurs années après la mort de Diana, le prince Charles a épousé Camilla Parker Bowles lors d'une cérémonie civile qui s'est tenue à la mairie de la ville de Windsor. Après ce mariage, le couple est parti vivre dans le palais de la Clarence House, au centre de Londres, et Camilla a pris le titre de duchesse de Cornouaille. Mais pas celui de princesse de Galles, normalement dévolu à l'épouse du successeur du roi ou de la reine d'Angleterre. Ce titre, précédemment occupé par la très populaire princesse Diana, était trop lié à la mère de Harry et William. Si est-il pourquoi Camilla Parker Bowles en a choisi un autre? Kate Middleton deviendra-t-elle princesse de Galles? Cependant, la princesse Kate Middleton pourrait tout à fait devenir la princesse de Galles dans le futur. Le titre de prince de Galles étant dévolu à l'héritier de la couronne, tout indique que le prince William le reprendra lorsque le prince Charles deviendra roi, étant donné sa position dans l'ordre d'accession au trône. De son côté, Kate Middleton pourrait donc reprendre le titre de princesse de Galles alors que Camilla Parker Bowles pourrait devenir reine consort. Reste à savoir si Kate Middleton choisira de garder son titre ou si elle choisira de devenir princesse de Galles. Une décision qui risque bien de faire couler beaucoup d'encre le moment venu. On your